Quand on pense à famille monoparentale, on imagine rarement un homme en train de tresser les cheveux de sa petite fille, c'est vrai, le jour de la rentrée, ou passer ses mercredis au club de poney. Pourtant, en France, 240 000 pères élèvent seuls leurs enfants et ils doivent faire comme font toutes les mamans solo, c'est-à-dire se débrouiller. Voilà, tirailler entre autorité et tendresse. Comment réalisent-ils leur rôle de père au quotidien? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez une histoire très triste. Vous avez perdu votre femme Rachel le 14 juillet 2016 à Nice, sur la promenade des Anglais, lors de l'attentat terroriste qui a causé la mort de 86 personnes. Et depuis, vous élevez seul vos enfants, Noémie qui a 13 ans et Célian qui a tout juste 8 ans. Vous allez nous raconter comment se passe votre quotidien. À vos côtés, Alexandra, je vous ai italienisé, Alexandra Piezen, vous êtes docteur en sociologie, vous enseignez à l'université Paris-Descartes et vous venez de soutenir une thèse sur les parents solos. Vous êtes donc la bonne personne. Stéphane, comment est-ce que vous avez appris à vivre à trois après ce drame alors? Au départ, c'était un petit peu compliqué parce que avec Rachel, on s'est connus quand on avait 14 et 16 ans, donc une petite trentaine d'années. Le plus dur, c'était déjà le retour de Nice jusqu'à la maison. Mm-hmm. Retourner dans la maison, re-rentrer dans la maison. On s'est même posé la question de déménager ou pas. Et on avait construit cette maison, on avait voulu une belle maison pour les enfants. Donc j'ai voulu assurer la continuité, pas faire de cassure. Voilà, donc le plus dur, évidemment, c'est déjà de faire son deuil et puis de faire déjà les premiers choix. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées alors en tant que papa solo au début? La première et la plus difficile, la plus difficile à gérer, c'est l'organisation, la gestion du temps. Je dirige une société de mécanique, je fais énormément d'heures, je travaille beaucoup. Mmh. Avant, je rentrais entre 21h, 22h. Il a fallu réapprendre à rentrer plus tôt, c'était un très très gros défi. Vous voyagez aussi, je crois. Je voyage énormément entre la Chine, l'Amérique latine, en moyenne une fois par mois. Le plus gros challenge, ça a été d'organiser le temps de travail, me libérer du temps pour que je puisse partir entre 16 et 17 heures pour récupérer les enfants. J'ai dû embaucher du monde, avoir des bras droits, des ressources supplémentaires. Et alors au niveau des tâches domestiques, est-ce que c'était Rachel, du coup, comme vous travaillez énormément, c'était plutôt Rachel qui s'occupait du quotidien? Je veux dire, l'organisation, les courses, les repas et tout ça. Alors au quotidien, pendant toute la semaine, ouais, c'était Rachel, elle faisait la préparation, elle gérait les enfants, les activités périscolaires. Moi, j'étais plus dédié le week-end. Là, maintenant, il a fallu tout revoir, tout réapprendre. La première chose à faire, c'est de ravaler son orgueil, de devenir le papa, la maman, la femme de ménage, la repasseuse, trier les chaussettes, les petites culottes, faire le repassage, le ménage, se coucher tard pour repasser un vêtement le lendemain. Il faut apprendre. Alors, Alexandra Piezen, comment ça se fait l'apprentissage d'un parent solo? Alors justement, au niveau des parents solos, on peut faire une distinction entre ceux où effectivement il y avait déjà au premier abord un investissement plus ou moins quotidien, effectivement, comme ce que vous disiez à l'instant. L'idée effectivement d'avoir eu une répartition plus ou moins égalitaire entre les deux parents qui permet effectivement au père d'être déjà plus ou moins habitué à tout un ensemble de tâches parentales ou d'activités domestiques. Donc pour les pères effectivement qui se retrouvaient dans cette situation et que j'ai qualifié de pères justement familiarisés, il y a une certaine continuité parce qu'effectivement c'est des activités qu'ils avaient déjà l'habitude de faire, notamment les courses, l'accompagnement des enfants à l'école ou le bain. Par contre pour les pères effectivement comme Stéphane qui avait plutôt une répartition où finalement il y avait peut-être certaines activités que vous n'aviez pas forcément l'habitude de prendre en charge, il y a un vrai apprentissage. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, pour les pères, il y a finalement tout un ensemble d'activités à découvrir et aussi à apprendre finalement au quotidien. Et donc c'est aussi se découvrir finalement une nouvelle facette parfois d'une paternité qu'on n'avait pas forcément complètement explorée sur certains. Alexandra, on a reçu une question qui est intéressante d'Agnès qui vous demande: est-ce qu'un papa solo, c'est comme une maman solo? Alors, un papa solo, c'est pas tout à fait comme une maman solo. Les pères solos, donc, souvent insistent sur le fait que, justement, ils vont jouer les deux rôles au quotidien. Donc, le fait de jouer à la fois la mère et le père, un peu comme vous avez dit tout à l'heure au début de l'émission. Et c'est vrai qu'au niveau des mères, on a une habitude qui est un petit peu différente au niveau du rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un ensemble d'habitudes qui sont déjà prises. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines circonstances qui s'inscrivent davantage dans une continuité. Par exemple, il y a un des pères que j'ai rencontré qui m'expliquait que si par exemple son enfant était malade, il allait s'occuper de son enfant. Mais par contre, il n'allait jamais avoir le réflexe de mettre l'enfant dans son lit le soir s'il était malade la nuit, etc. Alors qu'au contraire, c'est des choses qui sont beaucoup moins réfléchies au niveau des mères qui ont complètement intériorisé le fait que si l'enfant était malade la nuit, il pouvait tout à fait dormir
dans le lit parental. Stéphane, vous faites beaucoup aider au quotidien par la famille, par les amis ? Oui, oui, énormément. Vous avez une garde rapprochée ? Oui, exactement. Bah, dès le jour de l'attentat, en fait, on a une grosse partie de la famille et des amis qui sont descendus, quasiment une douzaine de personnes qui sont arrivées dans la nuit. Parce que vous, il faut dire que vous avez été blessé aussi. Hein. Oui, j'ai eu des côtes cassées, un pneumothorax et puis le dos brûlé par le frottement sur le goudron. Mmh. Donc déjà, dans un premier temps, l'extrême urgence a été palliée avec les amis très très proches. Ensuite, quand on est revenu au village, j'habite Cessieux, un petit village de 3000 personnes, mais c'est vraiment l'esprit village. Tout le monde se connaît, donc là, il y a eu une énorme compassion, énormément de soutien de la part même des villages alentours. Donc j'ai reçu énormément de compassion, de propositions d'assistance pour garder les enfants. Il y avait une vraie solidarité. Une énorme solidarité. Et alors, du coup, est-ce que vous aviez des grands-parents, les parents de Rachel ou les vôtres qui venaient, par exemple, pour les devoirs ou pour vous aider pour les tâches ménagères au début ? Exactement. Donc, dans un premier temps, ça a été les premières tâches ménagères palliées vraiment aux urgences. Et puis ensuite, on a mis en place un système d'une petite organisation avec les parents de Rachel, mes parents qui sont très très proches, ma famille proche et les amis très proches pour récupérer les enfants, pour leur faire les devoirs. Les devoirs, c'était un petit peu compliqué, donc je refais des passes le soir pour vérifier. Mais on a, bon an, mal an, on a trouvé une petite organisation qui fonctionne. Alors, on va maintenant rencontrer Michel, si vous le voulez bien, qui lui aussi élève ses filles de 4 et 6 ans. Et vous allez voir, il s'en sort drôlement bien. Un reportage à Roanne, près de Lyon, signé Mathieu Abasque. Dans cette famille, le déjeuner du samedi midi est un moment privilégié. Après une semaine vécue à 100 à l'heure, Michel profite enfin d'un moment paisible avec ses deux filles, Clarisse et Justine, dont il a la garde principale depuis sa séparation il y a un an. Le fait d'être papa solo, ça m'a pas empêché de vivre plein de choses et je suis très content de pouvoir partager tous mes moments avec mes filles et de m'être mis à plein temps pour elles, quoi. Les filles voient leur mère une fois par semaine et l'appellent dès qu'elles le souhaitent. Autant dire que le quotidien, c'est Michel qui le gère. Je fais d'habitude. Tu en veux plus ? Tu veux quoi ? Tu veux une banane ? Oui ! Ah, ben d'accord. Oui. Pour tenir ce rythme, ce papa solo doit avoir un œil sur tout et autonomiser au maximum ses filles pour les tâches du quotidien. D'accord. J'essaie souvent de faire participer quand on fait à manger. Clarisse, elle aime bien faire mettre la table. Justine, elle prend sa douche. Comment je définirais ma vie de père solo ? Ben, ce serait pas une vie facile tous les jours, hein, bien sûr. Il y a toujours des moments difficiles, mais c'est toujours plein d'émotions et plein d'amour, ça c'est sûr. Une complicité entre le père et ses filles qui fait de cette famille un véritable clan. Essaye celui-là. Regarde. Super. Une cohésion qui n'empêche pas Clarisse et Justine de jouer avec l'autorité paternelle. 4-6 ans, c'est là où on teste les limites. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire, hein. Il faut savoir de temps en temps être ferme. Ou autrefois, il faut être... Quand elles sont en demande de câlins, il faut savoir leur donner de la tendresse. C'est un tout, hein, d'être parent. Donc voilà. C'est pas à rigoler, je te dis. Espèce de clown. Tiens, fini, je vais m'occuper de ta sœur, elle fait des bêtises. Faut bien faire au fond. C'est important. Parce que sinon tu vas avoir bobo aux dents. D'accord ? Élever seul ses enfants oblige à être polyvalent. Une fois les dents nettoyées, Michel doit désormais passer à la coiffure. C'est compliqué, faut vraiment la peigner. Faudrait la peigner dès qu'on fait quelque chose. Ça boucle, ça frise. Justine, j'arrive à faire 2-3 chignons. Hein ? On fait des petites couettes de temps en temps sur les côtés aussi. Ouais, il y en a deux là. Malgré le rythme effréné et les difficultés du quotidien, le trio vit en osmose. Même si le jeune papa appréhende déjà la période de l'adolescence. Je pense que ça va être difficile, ça c'est sûr. Parce que surtout avec deux filles, hein, j'ai encore pas l'idée en tête de leur acheter leur premier sous-vêtement, leur premier soutien-gorge, comme on dit. Je sais pas encore, on verra. Mais
Je vais encore profiter de mes petits bébés pour le moment. Après un an de vie à trois, le père et ses filles ont su trouver leur rythme. Une harmonie familiale dont Michel connaît désormais le secret. Je me mettrai derrière toi. Il faut prendre le temps pour les enfants, passer du temps avec eux. Ouais. Et puis apprécier tous les moments de câlin qu'ils nous offrent. Parce qu'après, il n'y en aura plus. Quand ils seront grands, ils nous rejetteront. À suivre le conseil de Michel, on va profiter. Stéphane, vous vous reconnaissez un peu dans ce que raconte Michel? Ah oui, complètement. Ouais. Notamment avec les petites filles, est-ce que vous appréhendez avec votre petite fille l'adolescence? Ouais, exactement. Bon, même avant l'adolescence, il y a des sujets qui paraissent simples, mais qui deviennent très vite compliqués. Aller acheter des vêtements, le choix d'un pantalon, d'une robe, d'un soutien-gorge. On n'a pas du tout l'habitude, on est complètement perdu. Comment vous gérez ça? Alors, est-ce que vous arrivez à répondre à ces questions? Vous faites aider? Pour le moment, ça va. Là où je vais me faire aider, c'est l'arrivée des problèmes de filles qui ne devraient pas tarder. Donc, évidemment, je compte sur ma belle-sœur Ingrid, qui est la deuxième maman de Noémie. Donc, c'est comme sa deuxième maman. Elle lui pose toutes les questions. Elle n'a aucun tabou. Donc, encore une fois, c'est le soutien des personnes proches. Et c'est plus facile avec votre fils, avec Célian, vous avez l'impression? Ouais, ça va beaucoup mieux. Célian, il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus câlin, beaucoup plus tendre. Ça se passe beaucoup mieux. Il est encore assez malléable. Il est très très câlin, donc il me gratifie tous les jours de « je t'aime papa, je t'aime papa », donc c'est ce qui fait avancer. Oui, alors que votre grande, elle a 13 ans, donc les « je t'aime papa ». Non, ça va se tarir. J'ai mon téléphone. On l'envoie sur Snapchat. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Alexandra, on a cette question de Fabien qui nous dit que sa femme l'a quitté depuis 2 mois, qu'il s'occupe seul de ses enfants, et il vous demande comment arriver à pallier le manque maternel. Alors, la plupart des pères, en tout cas, que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ma recherche, donc effectivement, sont un peu comme Stéphane, c'est-à-dire que c'est un peu l'angoisse de l'arrivée de l'adolescence, surtout quand on a une fille. C'est vrai qu'il y a tout un ensemble de problématiques qui sont un peu spécifiques, les règles, les premiers soutiens-gorge, etc. Donc, il y a beaucoup de pères qui, à ce moment-là, vont faire appel à ce que j'ai appelé des référentes féminines, qui peuvent être soit des femmes qui appartiennent à la famille, c'est-à-dire, par exemple, des grands-mères, des sœurs, un petit peu comme dans votre cas, ou alors des amies féminines, voire des voisines aussi, si parfois on s'entend bien avec ses voisins. Et c'est souvent à ces femmes-là qu'on va poser tout un ensemble de questions. Et même, par exemple, sur la question des coiffures, il y a également des pères qui vont demander des conseils. Alors, comment faire une tresse exactement à sa fille? Comment faire une tresse à sa fille? Question, ou comment faire une jolie coiffure? Marie va vous faire un tuto. S'il n'y a pas de référence féminine possible, alors comment on fait? Alors, s'il y a ça pas vaut de... aussi pour les papas, pour les couples homosexuels, qui ont les enfants qui ont deux papas? Tout à fait. Alors, pour le coup, si on n'a pas de référence masculine, pardon, de référence féminine, pour le coup, les pères font souvent appel à des professionnels. Mm-hmm. L'idée de rencontrer, par exemple, un psy, alors que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, souvent, les pères vont avoir tendance à rencontrer un psy au moment où ils se retrouvent seuls avec leurs enfants, justement pour savoir un peu s'ils ont le bon comportement avec leurs enfants. Il ne faut quand même pas oublier que le fait d'être seul avec son enfant, quand on est un homme, c'est quand même une situation qui reste atypique. On n'a pas de modèle de personne. Et donc, c'est vrai que les pères sont toujours un peu dans cette problématique de savoir s'ils ont le bon comportement. Oui, c'est ça. Donc, on va rencontrer un professionnel pour lui demander son avis. Et donc, il y avait par exemple un père que j'avais rencontré qui m'expliquait que justement sa fille qui était adolescente avait eu un moment donc ses règles. Et donc, il s'était posé la question de savoir comment est-ce qu'on gère la situation. Et n'ayant pas de référente féminine à disposition, il était allé à la pharmacie, avait demandé à des professionnels. Mais par contre, dès le début, il s'était présenté comme étant un père solo. Donc, en fait, ça a évité toutes les questions qui pouvaient être « Mais où est sa mère ? Pourquoi c'est pas sa mère qui s'en occupe ?» Et donc, pour le coup, c'était vraiment l'idée de « Voilà, je suis père solo, j'ai une fille qui a 10, 11 ans, elle a eu ses règles cette nuit. Aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Aidez-moi. » Et donc, ça leur permet aussi de valider leur comportement de parent et d'être vraiment un bon père à part entière. Stéphane, est-ce que vous avez l'impression que vos relations avec vos enfants ont changé depuis le décès de leur mère ? Est-ce que vous êtes un papa différent ? Ah ouais, complètement. On a une relation qui est hyper fusionnelle. Dès le premier soir, dès le soir de l'attentat, on a dormi ensemble dans une chambre à trois. Et depuis, on ne s'est jamais séparés. Alors maintenant, la semaine, ils arrivent à dormir chacun dans leur lit. Mais dès que l'occasion se présente, le mercredi, le samedi, ils viennent dormir avec moi. Le premier soir, c'était pour obtenir du réconfort par rapport aux horreurs qu'ils avaient vécues. Et je le sens encore, qu'ils ont besoin d'être réconfortés, de se rassurer. Et c'est en dormant ensemble, dans ce petit cocon, encore cette bulle fermée, qu'ils arrivent à se sentir bien. Vous leur parlez beaucoup de leur maman, de Rachel ? Alors c'est compliqué. Avec Noémie, Noémie a du mal à en parler. Mmh. Comme dit la psy qui nous a suivis dès le départ, Michel Battista, elle a vu des horreurs, elle a mis ça dans un livre, elle a mis le livre dans une bibliothèque qu'elle a fermée. Elle la rouvrira lorsqu'elle le souhaitera, lorsqu'elle s'en sentira capable. Célian, c'est différent. Il arrive à aller au cimetière, il arrive à en parler.
Il arrive toujours à poser des questions lorsqu'il dessine quelque chose. Bah, tiens, maman, elle aimerait bien ça. Ou tiens, c'est la couleur préférée de maman. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et lorsqu'il travaille bien à l'école, lorsqu'il a une bonne note ou une bonne appréciation, vraiment la récompense ultime, je lui dis, maman, elle serait fière de toi. Et là, c'est... Ouais. Il s'illumine. Il s'illumine complètement. Nouvelle question, Alexandra, cette fois de Pierre, qui vous demande, les papas solo ont-ils tendance à surinvestir leur rôle de père ? Alors oui, je pense. Effectivement, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que la plupart des pères qui se retrouvent seuls avec leurs enfants, quelles que soient les circonstances qui aient pu les amener à cette situation, ont quand même conscience du fait qu'ils se retrouvent dans une situation atypique. Et donc effectivement, ils vont essayer vraiment de performer leur rôle de parent et donc d'essayer d'être le meilleur parent possible. Ils se mettent plus la pression ? Je pense qu'ils se mettent plus la pression. Un certain nombre de pères, par exemple, que j'ai rencontrés, ont complètement surinvesti le domaine de la cuisine. C'est-à-dire qu'ils vont me dire, alors moi, je prends le menu toute la semaine, si le midi est féculent, le soir, ce sera légumes. Enfin, il y a vraiment une organisation qui est très spécifique et c'est assez intéressant parce que justement au niveau des mères solo que j'avais pu rencontrer, les mères solo vont plutôt insister sur le fait que depuis qu'elles sont seules avec leurs enfants, elles vont parfois désinvestir un peu la cuisine pour profiter de ce temps-là pour avoir d'autres activités avec leurs enfants, alors que les pères vont plutôt surinvestir parfois. Stéphane, vous êtes devenu un grand chef ou vous l'étiez ou pas encore ? Je cuisinais déjà beaucoup, okay. Donc j'apprécie la cuisine. À côté de ça, heureusement qu'il y a la restauration rapide pas très loin. Oui. Et tout à l'heure, vous parliez de situations atypiques. Est-ce que ces situations de papa solo peuvent faire l'objet de suspicions aussi, parfois ? Alors parfois, effectivement, alors c'est des situations qui n'ont pas forcément été anticipées par les pères que j'avais rencontrés. Il y a effectivement des pères qui m'expliquent que, effectivement, la plupart du temps, quand ils se retrouvent seuls au début, il faut faire face. Donc, ils n'ont pas vraiment le choix. Effectivement, dans un deuxième temps, ils se rendent compte que leur situation atypique, effectivement, fait l'objet parfois d'admiration au début et parfois de suspicion. Vous, vous sentez un regard lourd, Stéphane, sur vous de temps en temps ? Alors, pas du tout de suspicion. Bien au contraire, en fait, il y a dans les yeux des gens que je connais, qui nous côtoient au quotidien, il y a énormément de compassion. C'est hyper réconfortant, hyper chaleureux. Mais aussi, parfois, c'est lourd. On ne devrait pas le dire, c'est lourd parce que ça nous renvoie toujours à la tragédie. Bien sûr. Donc, on voit toujours dans les yeux le pauvre Stéphane. Et c'est pour ça, par exemple, pour aller faire du shopping, j'aime bien aller à Lyon où personne ne me connaît et je me sens normal. Oui, c'est ça. Vous avez pas, on ne vous pose pas en tant que victime. Exactement, aussi. Il y a un exactement. Moment où il faut que la vie reprenne le dessus. Et aussi pour les enfants. Mais on a l'impression que la vie, elle est bien forte en vous. Hein. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Alexandra Piezen. Merci à vous, Michel. Michel, marqué Michel, alors que c'est Stéphane. Michel est celui du reportage. Merci, merci aussi. J'ai essayé de cacher ma carrière. Merci, Stéphane, d'avoir été avec nous.